nous sommes en Maastricht. Maastricht où on a décidé sur l'Europe, l'Europe unie, on change de ville en ville sans qu'on puisse être contrôlé. Et voilà, nous sommes à Maastricht. Votre impression, monsieur Dominique Abon? Très belle ville, c'est très propre en tout cas. J'étais extrêmement surpris de voir que la ville est très propre. Et une ville historique, comme vous l'avez dit, une ville où c'est la première ville qui a été libérée lors de la Première Guerre mondiale, la première ville néerlandaise par les soldats américains. Donc il y a une histoire vraiment derrière cela. Et puis aussi, c'est ici que l'initiative, en théorie, de l'Union européenne a été mise en place. Hein, donc le traité de Maastricht, donc c'est vraiment extrêmement historique. Moi je pense que c'est dans notre combat aussi, même plus tard, parce que nous ne sommes pas encore à cette phase, c'est vraiment des choses qu'on devrait s'inspirer de l'ouverture des frontières pour un gain économique. Voilà. Alors on vient de voir quelque chose qui nous a interpellé. Un Tutsi de Burundi nous a interpellé ici. Est-ce que tu pourrais vous dire un peu un mot par rapport à cela? Oui, il y a un jeune homme qui nous a expliqué, qui nous a vu descendre. Moi, je l'ai vu d'ailleurs quand on sortait. Il s'est approché de moi et il a commencé à parler un peu. Et puis, on a échangé en Swahili. Il s'est expliqué que ça fait 3 ans qu'il est là, sans papier. Il a été chassé du foyer. Il nous explique les conditions inhumaines, le paradoxe avec où on dit le droit de l'homme, mais les conditions inhumaines dans lesquelles il vivait. C'était vraiment très, très choquant. La chose que je retiens le plus dans tout ça, c'est qu'il me dit, grand frère, moi je préfère encore aller mourir de faim en Afrique que rester ici quémander pour un ou deux euros. C'était vraiment très choquant. Donc voilà les réalités dans lesquelles, lorsque le Grand Lac se livre à des guerres interminables, vous voyez qu'ici il n'y a aucune différence. Et des guerres interminables, hein, c'est-à-dire que si le Congo était bien un précurseur en termes d'économie, un moteur en termes d'économie, ces gens-là qui sont nos voisins pourront bien vivre. Bien sûr que oui. Écoute, la dimension du Congo, c'est indispensable au développement de la RDC, des régions de Grands Lacs. Donc, si le Congo se lève, économiquement parlant, dans les grandes, de manière positive, cela a des ramifications régionale positive aussi. Je ne vois pas ce que ce jeune homme qui nous a dit, même qui a fait des études à Bukavu, qui a terminé l'université à ISP, viendrait chercher ici si le Congo allait bien. Parce que d'une manière ou d'une autre, en termes d'échange économique, la Burundi et Kigali, donc disons Bujumbura et Bukavu, d'où il a fait ses études, sont à proximité, ils pouvaient se retrouver. Ce sont les réalités économiques. Alors, on ne vient pas nous parler d'une histoire où les peuples ne peuvent pas vivre ensemble. Et vous voyez ici que c'est un Tutsi burundais qui vient au secours, qui vient demander de l'aide à ses frères congolais. On l'a assisté comme on a pu, mais ça fait de la peine. Alors, quand on nous raconte cette histoire, on veut nous faire gober cette escroquerie des Grands Lacs que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. C'est mieux de partitionner ceci et cela. C'est vraiment une escroquerie. Dominique Abongo, voilà, nous revenons de Maastricht, où bien sûr on a visité cette ville historique où il y a eu le départ en fait le signal pour l'Union européenne. Et on a rencontré une personne importante pour discuter sur les cas de la RDC. Alors, en revenant, on a tendu notre micro à monsieur Dominique Kabongo. Kabongo, monsieur Dominique, votre réaction par rapport à votre vidéo que vous avez faite à Bruxelles, où tout le monde essaye de vous contredire en disant que Tshisekedi peut remettre son fils parce qu'il a la légitimité, parce qu'également il a gagné des élections pour compenser tout cela, donc c'est son fils qui doit prendre le pouvoir. Oui, très bien. Vous savez, on vient de... Avant de répondre à votre question, je dirais ceci.
On vient de Maastricht. C'est une ville, vous avez vu, où le traité de Maastricht qui a lancé, si vous voulez, l'envergure économique, hein, l'Union européenne à caractère économique, les échanges économiques, si vous voulez. Donc, il y a des moments où il y a des événements qui se passent qui sont extrêmement importants et qui restent marqués dans l'histoire de ce monde. Les élections de 2011 sont marquées dans l'histoire de ce monde. Elles sont marquées dans l'histoire de chaque Congolais. On ne peut en aucun cas remettre en question la victoire du président élu Tshisekedi. Par conséquent, nous faisons de la politique et nous ne sommes pas dans un contexte filial. Moi, encore une fois, je ne voudrais pas caractériser ce débat entre passation de père en fils, mais nous sommes dans une république. Je n'aime pas mettre le vieux dans ce genre de débat, mais je pense que les intentions ce n'est même pas moi qui le dis. Vous voyez très bien que lorsque nous avons fait l'interview avec un des piliers qui a de l'IDPS, Mukulumpa Mbuyi, le dit très bien que l'IDPS a un sérieux problème et qu'il y a une confusion au niveau de l'héritage familial et l'héritage de la famille politique. Donc, puisque le papa n'a pas transcendé au pouvoir pour des raisons que nous connaissons tous, alors par conséquent, le fils devrait faire honneur, si vous voulez, dans cette optique. Mais est-ce réellement... sommes-nous dans une république ou dans un royaume? Moi, les gens qui disent ça, je peux comprendre l'émotion et tout ça, mais il faut revenir à la raison. Et surtout, par rapport aux enjeux qui sont en train de se dessiner vis-à-vis de notre pays. Je pense que la seule façon dont nous pouvons nous dédouaner de ce choc émotionnel de 2011, ce serait de corriger les choses en 2016, s'il vous plaît. Par conséquent, il faut se préparer. Si nous allons aux élections, nous avons une vague, si on peut dire, de la communauté internationale qui tient à ce qu'il y ait vraiment des élections correctes. Jusque-là, il y a un cahier des charges qui est transmis d'une manière assez officieuse de l'opposition. Or, le grand parti d'opposition, c'est l'IDPS. L'IDPS devrait, parce que là, on rentre dans un ordre constitutionnel, l'IDPS doit nettoyer sa maison, si on veut, remettre les choses à l'ordre et se mettre en ordre de bataille, avoir un cahier de charges bien précis et être en mesure de pouvoir affronter ces élections d'une manière sereine, afin de pouvoir transcender. Maintenant, cela dit, quand on parle de l'UDPS, cela n'implique pas nécessairement seulement les cadres, puisque l'UDPS est un patrimoine national. Donc il y a lieu de pouvoir fusionner toutes les forces vives au sein, évidemment, constitutionnellement, de l'UDPS, puisque c'est ça notre outil de travail, si vous voulez, c'est ça notre outil de bataille, c'est ça notre arme, pour pouvoir réellement arriver à franchir cette ligne qui n'a pas été franchie en 2011. Je pense que c'est la seule manière dont on peut corriger cela, mais pour corriger cela, il faut savoir se dire les vérités en face. Donc ce n'est pas en allant dans du favoritisme ou du népotisme qu'on va réussir la tâche. Nous faisons face à un combat qui est très sévère, à des requins, des capitalistes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est maximiser leur marge de profit. Alors, si nous ne sommes pas organisés, si nous ne nous ressaisissons pas, eh bien nous allons perdre la bataille et nous perdrons le pays. Donc il faut mettre les personnes qu'il faut, à l'endroit qu'il faut,
Et cela sans embâge. Hein, il faut savoir se dire les choses, se dire les vérités, se regarder en face, se dire les choses qui sont mal à l'aise. On sait que ce sujet de l'IDPS crée beaucoup de frictions et tout ça. Mais il faut en parler, il faut qu'on arrive à épiner, lever le bouclier, je dirais. Il faudrait arriver à lever le bouclier pour qu'on puisse avancer, parce que là, émotionnellement parlant, politiquement parlant, socialement parlant, nous sommes à l'impasse et bon, nous sommes à la veille des élections. Dans ce cadre de figure, comment voulez-vous que nous puissions aller, même s'il devrait avoir un scrutin en notre faveur? Mais on va se retrouver le bec dans l'eau et on va partir dans tous les sens de nouveau. Donc moi je pense que ce n'est pas ça la solution. Et ce que moi je crois, semble voir qui se profile maintenant, c'est la politique du chaos. Et donc c'est la politique du chaos qui est pratiquée couramment à l'UDPS en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Et ça c'est très dangereux parce que je ne sais pas si on peut vraiment s'en remettre.